Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau tutoriel qui se décomposera en deux vidéos. Donc vous allez aller sur votre IANIM. Alors vous faites Fichier, Nouveau. Donc ça vous demande de quitter si vous avez quitté le projet en cours, vous mettez oui. Vous faites Projet, Dimension. Ça vous demande de sauver votre animation, donc vous faites Sauver. Vous atterrissez dans le User de IANIM. Vous allez dans votre dossier que vous avez créé. Donc moi je vais dans mon dossier, vous mettrez le nom de votre fichier, donc moi je resélectionne mon nom de fichier d'avant et je fais enregistrer. Donc le remplacer, je dis oui. Je refais projet, dimension, je mets la largeur de ma réalisation et la hauteur. Et je fais OK. Donc je vais faire ajouter une image et je vais mettre mon fond. Je fais ouvrir. Donc dans le premier tuto, je vais vous montrer comment insérer une image animée et rajouter une horloge dessus. Donc je fais Objet dynamique, donc Ajouter série d'images animées. Donc vous avez les explications comment mettre une image animée et comment la numéroter. Donc vous devez marquer, admettons, IM1, IM2, IM3. Et vous faites OK. Vous allez aller dans votre dossier que vous avez créé. Donc ici. J'ai décomposé mon image animée en trois morceaux sous photofiltre. Je l'ai nommé T1. Donc vous voyez que moi c'est au format PNG. Donc il n'y a aucune importance. Que ce soit ce format-là ou le format-là, il n'y a pas d'importance. L'essentiel c'est que vous mettiez bien. Alors T1, vous voyez ici T2 et ici T3. Il faut que vos images se suivent, qu'elles se numérotent bien à la suite. Donc vous cliquez sur votre première image et vous avez juste à faire ouvrir. Elles vont s'importer directement. Donc vous voyez ici sous Yanim et quand vous les bougez, vous n'avez plus que sur l'image. Donc je vais redimensionner mon image. Donc je cherche le petit carré noir qui se trouve ici. Et avec ce petit carré noir, vous voyez, je peux diminuer ou agrandir l'objet que je désire rétrécir. Donc je vais les mettre à cette hauteur. Je prends mon image et moi je la déplace ici. Je fais toujours sauver l'animation avant de jouer l'animation. C'est toujours une précaution que je prends. Je sauvegarde mon travail et après je joue l'animation. On ne sait jamais si mon PC il s'arrête, si j'ai une coupure d'électricité. Il vaut mieux prévoir. Enregistrer souvent. Donc là, ça me dit que mon fichier est construit. Bon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Donc, alors, vous voyez, donc excusez-moi, voilà. Vous voyez que mon image animée est très rapide. Donc, nous allons bouger la rapidité dans la barre de temps qui se trouve ici. Nous allons bouger la vitesse. Donc, je ferme cette fenêtre. Voilà. Je vais double-cliquer dans mon image. J'atterris dans un groupe. Donc, vous voyez le nom du groupe ici. Vous recliquez sur votre image. Vous voyez que sur votre barre de temps, vous avez trois grands traits gris et rouge et jaune. C'est vos trois images. Si vous avez eu cinq images animées, vous aurez eu cinq traits comme ça. Là, j'ai trois images. Vous prenez votre première image qui est autant 2 ici. Et avec votre flèche noire, vous allez augmenter, vous voyez, vous allez bouger sur cette barre, vous voyez que je peux augmenter comme je veux ou diminuer la vitesse de mon image. Donc là, je vais me mettre moi à 13. Je me mets sur la deuxième, donc ici c'est la deuxième image. Et pareil, je vais augmenter, vous voyez que je peux augmenter ou diminuer la vitesse que je veux donner. Vous ne touchez jamais la première image là, vous ne la touchez jamais. Vous retournez sur l'écran de base, je fais sauver et je fais jouer l'animation pour voir le rendu. Pour voir si ça a bien baissé la vitesse sur mon animation. Donc voilà, vous voyez que l'effet est beaucoup moins rapide. Donc,
Ça, moi, ça me convient. Donc, je ferme. Je vais maintenant ajouter mon horloge. Mais d'abord, je vais ajouter, donc ici, ajouter une image, mon cadran. Et je fais ouvrir. Je vais diminuer mon cadran. Donc, je viens ici sur mon petit point noir. Et vous voyez que je diminue le cadran de mon horloge. Donc, je le place à peu près à ce niveau. Et je fais ajouter un sprite. Je double-clique dans l'horloge. Je me mets en loop à 200%. Je clique sur mes aiguilles des secondes. Je fais sup avec la souris, le clavier, excusez-moi. Et je mets oui. Je fais ajouter une image. Donc, comme dans le précédent tuto que je vous ai montré, vous allez chercher vos aiguilles dans votre dossier. Vous placez bien vos aiguilles vers la croix qui se trouve là. Vous faites le 1, vous allez changer les aiguilles des minutes, donc vous supprimez votre pièce et vous allez en chercher une autre. Donc dans votre dossier, je ne m'attarde pas sur ça parce que je vous ai déjà montré. Donc vous voyez, je replace donc mon aiguille bien au centre là, donc avec ma touche de clavier. Je reviens maintenant sur le 2, je vais sur le 2. C'est les heures, donc je clique dessus, je supprime la pièce et je vais dans mon dossier chercher, voyez, les heures et je fais ouvrir et je place donc mes aiguilles bien au centre de cette croix. Je refais écran de base. Moi, je trouve que mes aiguilles sont trop grandes, donc je déplace pour voir mon petit carré noir, donc ici, et là, je diminue la taille. Vous voyez, de mes aiguilles. Et je vais les placer sur mon cadran. Donc j'essaie de les placer bien au centre. Voilà. Je fais sauver l'animation. Je remets à 100%. Donc ici, je fais jouer l'animation. Donc tout se construit. Donc voilà. Donc nous allons voir le résultat. Donc j'ai mon horloge sur mon image animée. Vous voyez que je peux rajouter un objet dessus un autre objet. Donc je vous retrouve pour la suite de ce tutoriel tout de suite. Merci, au revoir.